Vas-y, consomme et puis tape. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de C'est Faux et Dodo. Alors oui, aujourd'hui, nous allons faire notre coming out. On l'avoue, on consomme des produits de commerce équitable. Tu vas me demander, c'est quoi ce truc? Eh bien oui, je vais te l'expliquer. Tu vois tous ces pays défavorisés, le commerce équitable essaie de limiter ces inégalités. Ah ouais? Et comment? Eh bien, en payant les travailleurs de manière juste et en leur permettant d'avoir une bonne couverture sociale. Ah ben tiens, tu vois tous ces logos? Ceux-là, là? Ouais, c'est comme ça que tu les reconnaîtras. Ah ouais? Mm-hmm. Passons maintenant à notre envoyé spécial. Salut à tous, nous sommes en direct du supermarché pour réaliser un défi qui nous permettra de vérifier si l'on peut trouver des produits issus du commerce équitable près de chez nous. Le défi du jour sera de trouver un maximum d'articles issus du commerce équitable en moins de 5 minutes. Pour ça, nous avons deux concurrents, je vais vous les présenter de suite. Le premier concurrent s'appelle Nathanaël. Comment vous sentez-vous? Un peu stressé, mais confiant. Je sens que je vais trouver un maximum d'articles. Et là, c'est Dorcas. Je me sens assez confiante, je connais assez bien le magasin et je me dis que je trouverai les plus d'articles. Maintenant qu'on a pris la température du côté de nos deux concurrents, on va lancer le défi. On fait le compte à rebours ensemble? 5, 4, 3, 2, 1, on y va! Utilisation des produits non toxiques. Allez, continue. Donc voilà, je prends celui-là parce qu'il donne un prix juste aux personnes qui le produisent. Et une forme alors, ici. Alors. Ah là. Couverture sociale. Que les fabricants ont leur propre assurance, leurs propres médicaments qui sont offerts. Donc voilà, ce chocolat il permet de protéger les travailleurs et de leur donner une sécurité sociale. Donc on continue, Autonomie. Donc ça va permettre de respecter la personne. Donc ça respecte les conditions de travail et tout, etc. etc. Respect de l'environnement. Produits locaux, ben, c'est-à-dire que c'est fabriqué près de chez nous. Alors, il y a autre chose. Ah, oui, là. Ah. Vivre correctement. Ah, oui, là. L'union fait la force. Ben, c'est-à-dire que c'est un peu la devise du commerce équitable. Donc nous avons ce chocolat qui donne une égalité entre les producteurs et les personnes qui le mettent sur le marché. Et donc je finis avec celui-là parce que il donne accès à la formation. Donc voilà les produits que j'ai pu trouver en 5 minutes. Et voilà, bon. J'ai compris 7 produits, je crois que j'ai gagné. Ouais. Bon ben voilà. Alors, vous voyez qu'il est simple de trouver des produits issus du commerce équitable pas loin de chez vous? J'espère que vous avez compris tout ce qu'on vous a expliqué. Et à bientôt! Ah bah tu vois, je te l'avais dit, les produits équitables, c'est pas si cher et en plus, on s'en trouve partout. Et au fait, j'aime bien tes badges. Oh, merci toi aussi. Alors vas-y, consomme équitable!